Mais Noël, déjà, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on a un match le 26, après on a un match le 2 janvier. Donc je pense qu'ils vont nous lâcher 2-3 jours, mais bon, il va pas falloir faire trop d'excès non plus. Donc se calmer sur la nourriture et sur les bonnes boissons. Et donc, non, mais après en profiter, on va dire, les 2-3 jours qu'on va avoir, quoi. Donc, je veux dire, bah, déjà, surtout, faire plaisir à mes petits bouts de chou, à ma petite famille, aux miens, quoi, et leur faire plaisir, surtout, et le passer en famille. Parce que c'est un petit peu dans toutes les familles, on mange, déjà, c'est vrai que nous, on se tient bien à table, donc, dire, ça va être un petit peu, plus j'ai la chance d'avoir une femme cuisinière, donc, on était en train déjà d'élaborer les menus cette semaine, savoir presque comment on pouvait le peaufiner tout ça. Donc je pense que ça va être un petit peu du foie gras, préparé différentes façons. Ça va être, je sais pas, des queues de la gousse, des trucs comme ça, des sauces aux truffes, des trucs, enfin voilà, qu'on mange pas forcément tous les jours et où on peut se faire plaisir, on va dire, une fois par an ou 2 fois par an et à dose homéopathique, quoi. Tout ça va parce qu'on a un match 2 jours après, quoi. La question qui fâche un petit peu parce que moi j'ai ma femme qui a repris le travail depuis peu, donc on a dû faire on a investi dans une nouvelle voiture, donc on a dit on a évoqué le sujet plus cette semaine et elle dit bon alors qu'est-ce que tu veux toi pour Noël, et elle me dit toi qu'est-ce que tu veux, et elle m'a dit oh, rien, parce qu'on a acheté une nouvelle voiture, donc ça sera notre cadeau tous les deux. Donc automatiquement je lui ai dit ben ouais, c'est bon, ok, et toi me dis qu'est-ce que tu veux, bien, parce que j'ai répondu la même chose, on a acheté une voiture, ça va. Yeah, this song goes out to all the displaced refugees, all the displaced lovers, all the displaced.